Heureux de vous retrouver de nouveau, mesdames et messieurs, pour vous informer sur l'actualité. À la une, la RDC a pris la vice-présidence de la SADC en attendant la présidence en 2022, mais aussi le 42e sommet sera organisé à Kinshasa en août 2022. Suivez. Le 41e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a livré le premier résultat de ses délibérations. La République démocratique du Congo vient de prendre la vice-présidence de cette organisation sous-régionale pour l'année en cours et en attendant d'assumer la présidence de la SADC en 2022. Aussi, l'organe suprême des décisions de la SADC a confié à la RDC l'organisation du 42e sommet à Kinshasa en août 2022. Parmi les acquis de Lilongwe figure aussi la signature ce mercredi par le gouvernement congolais de deux importants protocoles d'accord, l'un sur la promotion du commerce au sein de la SADC et l'autre sur l'industrie. Par ailleurs, le secrétariat exécutif de la SADC a été confié à la République du Botswana qui abrite déjà le siège de cette organisation. Encore à Lilongwe, le 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu à Lilongwe au Malawi a clôturé ses activités ce mercredi 18 août et bientôt Kinshasa accueillera le 42e sommet de cette organisation, comme nous dit Alexandre Ansona. Dans les communiqués finaux lus ce mercredi 18 août 2021 par la secrétaire exécutive sortante, Madame Stergomena Lawrence, le sommet a élu Dr Lazaru Chakwera, président du Malawi, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président et vice-président de la SADC, ce qui prédestine le chef de l'État congolais à la présidence de la SADC en août 2022. Ainsi, la République démocratique du Congo a été choisie pour abriter les travaux du 42e sommet de cette organisation sous-régionale. Les sommets ont félicité le peuple et le gouvernement zambien pour avoir tenu des élections avec succès et M. Akainde Ichilema pour avoir remporté ces dernières. Aussi, l'organe suprême des décisions de la SADC a approuvé la nomination de M. Elias Pedi comme nouveau secrétaire exécutif de la SADC en remplacement du Dr Laurence Tax, arrivé fin mandat. Pour le chef de la diplomatie congolaise, l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses 15 pairs de l'Afrique australe à la présidence de la SADC reste le plus grand acquis qui participe au renforcement du leadership congolais au plan international. Après l'Union africaine en 2021, la République démocratique du Congo va présider en 2022 à la fois CEAC et la SADC. Revenons à Kinshasa. La pollution de la rivière Kasaï dans la province qui porte le même nom préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République. À ce sujet, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a tenu une réunion avec le ministre sectoriel ce mardi 17 août 2021, dont Tabitha Menaïmé nous fait le point. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion ce mardi 17 août 2021 avec le ministre sectoriel. Au terme de la rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a annoncé l'adhésion sur terrain d'une mission de haut niveau du gouvernement. Signalant que cette mission de solidarité et humanitaire concernera toutes les provinces impactées par cette contamination, en croire la vice-première ministre en charge de l'environnement, cette catastrophe serait due à la pollution de ces rivières, Tshikapa, dans la partie angolaise. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le gouvernement est très préoccupé par cette question depuis que nous avons reçu des informations il y a deux semaines et pendant ce temps, les actions sont faites sur terrain. Il y a des échantillons par deux fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'eau. C'est pourquoi il y a les poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo qu'on a trouvés. Mais il y a aussi d'autres éléments, nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux, parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels. Selon les informations du gouvernement congolais, il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées et qui connaissent des cas de diarrhée à la suite de la pollution de eaux en renchérit le VPM F. Bazaïba.
Nous sommes toujours à la primature. Jean-Michel Samalou Kondé, chef du gouvernement, a examiné la situation sécuritaire des provinces en état de siège ce mardi 17 août 2021 avec les deux gouverneurs militaires en séjour à Kinshasa. Onur Ilunga nous en dit plus. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a passé en revue le mardi 17 août 2021 à la primature avec le gouverneur militaire de l'Ituri et du Nord Kivu la situation sécuritaire de ces deux provinces sous état de siège. En effet, le lieutenant général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, a au sortir de cette audience affirmé avoir soumis toutes les doléances de son entité au chef du gouvernement, notamment la situation sécuritaire au quotidien de la population et la lutte contre la COVID-19. Pendant notre séjour à Kinshasa, sur rappel de la hiérarchie, il était aussi important de voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, pour qu'ensemble, qu'on parle de la province, surtout nos provinces sous état de siège. Et en notre qualité de gouverneur militaire, nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des questions liées aux opérations. Et aussi, en tant que gouverneur des provinces, nous avons échangé sur le quotidien de notre province. Et sur le plan des opérations, nous lui avons dit que les opérations sont en cours et se poursuivent. Par ailleurs, le gouverneur Dima s'est également réjoui de l'attention particulière que le Premier ministre a réservée à ses doléances concernant d'autres questions relatives au social de sa population. Et pour la population, nous avons remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de son appui, parce que notre province venait de connaître la contamination plus accrue après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la troisième vague de COVID-19. Et aussi, en ce qui nous concerne, au Nord Kivu, nous avons un grand problème d'exportation de nos produits agricoles, notamment le cacao, le café, le quinquina et consorts. Nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le Premier ministre sur ce problème parce que nos acheteurs, nos paysans et nos exportations en souffrent. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer, notamment le cacao, au moins 7500 tonnes. Pour rappel, l'état de siège a été décrété à Ituri et au Nord Kivu depuis le 6 mai 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de mettre fin au cycle des violences dans cette partie du pays. Changeons le chapitre à présent. En visite de courtoisie, l'ambassadeur chinois Zhu Jing a été reçu par le VPM de l'Intérieur Daniel Assel Okito Ankoy pour parler de la situation sécuritaire et la coopération entre les deux pays. Hortense Amba signe ce reportage. Reçu en visite de courtoisie, c'est mardi 17 août 2021 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Assel Okito Ankoy, l'ambassadeur de la République de Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing, a profité de l'occasion pour parler de la question sécuritaire, faisant l'objet de la coopération entre les deux pays, principalement sur la formation du policier congolais. Par l'occasion, il a insisté sur la question des sujets chinois en République démocratique du Congo, tout en faisant allusion aux trois Chinois enlevés à l'est du pays par les miliciens Codeco. C'est d'abord une visite de courtoisie et aussi de travail. C'est aussi une séance de travail avec le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières pour discuter de la situation bilatérale entre la Chine et la RDC en matière de sécurité. Il y a une longue opération entre les deux États dont la RDC mérite cet avantage. Cette coopération entre les deux pays entre aussi dans le domaine de sécurité, notamment la formation du personnel policier. Partager ensemble cette expérience permettra de lutter contre la corruption. Ça aidera aussi les autorités congolaises de renforcer la capacité d'administration dans la gestion de la situation sécuritaire. Pour le VPM de l'Intérieur, cette séance s'inscrit dans le cadre du développement des deux pays. Très sensible à la question sécuritaire,
le VPM patron de l'intérieur et sécurité, a promis de s'imprégner sur la question de la coopération qui date de dizaines d'années entre les deux pays et a rassuré son implication pour retrouver les trois Chinois enlevés par les miliciens Codeco. Parlons éducation. À présent, Tony Mwamba Kazadi, ministre de l'EPST, s'est rassuré ce mardi 17 août 2021 du bon déroulement de la formation de futurs auditeurs internes du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Michael Bilonda. Dans le but d'offrir au ministre ses propres cadres compétents à toute forme d'audit interne, le ministre de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi, avait procédé au lancement d'une formation au Conseil permanent de comptabilité la semaine passée et s'en est assuré du bon déroulement de cette formation ce mardi 17 août 2021. Minutieusement, le patron de l'EPST a rappelé le rôle de l'inspecteur considéré comme le bras séculier du ministère et a communiqué vivement sa vision. Ma politique est basée sur deux axes, le redressement de notre sous-secteur par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, mais aussi et surtout la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Et je l'ai dit, la gratuité de l'enseignement est non négociable. Ça ne se négocie pas. La gratuité n'est pas aussi un processus. C'est une réforme qui a déjà été rendue effective par le chef de l'État et on est dedans. Où on est dedans, où on est en dehors. C'est 100% ou 0%. Il n'y a pas de pourcentage. Et c'est entretenu par des proverbes des IPP. Vous avez suivi au Conseil des ministres. J'ai présenté, le dossier a été approuvé pour passer à la mise en place des cadres de l'EPST. Nous allons récompenser les bons en les maintenant ou en les permettant. Mais les mauvais, ils sont aussi connus. On va les désactiver. Nous allons les désactiver du système. Ils vont faire les bruits, ils vont mobiliser les gens, tout ça, les quelques groupes de gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement et appeler deux, trois journalistes et prendre des images. Nous n'allons pas reculer. Et essayer également de combler tous les postes vacants. Nous sommes dans un État qui a des lois qui doivent être respectées par tous. La gratuité, c'est une chose. La qualité ou l'amélioration des conditions des enseignements, je me bats. C'est les deux piliers sur lesquels repose notre politique. Retenons que Tony Mwamba Kazadi les a félicités du bon déroulement du TENAFEB et leur a demandé de redoubler d'efforts pour que l'Exeta édition 2021 se déroule sans embûches. Toujours à l'EPST, après l'assistance du ministre Tony Mwamba Kazadi à la formation des comptables du ministère, ce dernier a reçu ensuite les inspecteurs principaux provinciaux qui ont réaffirmé la détermination de combattre les antivaleurs dans leur sous-secteur. Suivez Michael Bilonda pour ses propos recueillis. Effectivement, les IPP de la République démocratique du Congo viennent d'être reçus par son excellence le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique ce matin. Il était question, il nous a rappelé sa vision, sa politique, la politique du ministère de l'EPST dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il entend par ce système? Au fait, le ministre nous a rappelé sa politique qui repose sur deux piliers. Le redressement du système éducatif, pas la rupture avec le passé, la rupture avec les antivaleurs. Et la consolidation, la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Deux piliers sur lesquels repose la politique de son sens, le ministre de l'EPST. Et il a demandé à tous les IPP, qui sont des acteurs sur le terrain, de pouvoir matérialiser, de pouvoir concrétiser cette vision. Parce que la gratuité ne se négocie pas. Où il y a la gratuité, où il n'y en a pas. Ça ne se négocie pas du tout. Et nous devons mettre tout en œuvre sur le terrain pour que nous puissions sanctionner tous les acteurs qui vont à l'encontre de la mesure phare du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement primaire. Il nous a rappelé aussi la déontologie de l'inspecteur. L'inspecteur, c'est lui le régulateur. C'est lui le bras séculier du ministre. Nous devons tout faire pour que nous puissions remonter les informations, pour que nous puissions réguler notre système éducatif, afin qu'il y ait une renaissance du système éducatif. Voilà ce qu'a été, d'une manière synthèse, la quintessence
de notre entretien avec son sens de ce matin. Et quel a été votre engagement? Nous sommes engagés, pour ce qui nous concerne, au niveau des provinces, à pouvoir répercuter le message, à pouvoir sensibiliser nos collaborateurs du terrain pour que nous puissions effectivement matérialiser cette vision, pour que nous puissions effectivement concrétiser cette vision de son essence, monsieur le ministre de l'EPST, qui est le gardien de la gratuité et qui veut de la renaissance de notre système éducatif. Qu'il y ait rupture, nous existons, rupture avec les antivaleurs. Et que sur le terrain, nous allons tout faire pour que la session de l'examen d'État 2021 soit organisée dans le cadre de la rupture avec le passé. De l'autre côté, deux ministres du gouvernement Samalou Kondé en guerre contre Bombé à Kinshasa et Vumuke au Nord Kivu, un phénomène qui préoccupe tant le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, et le ministre de la Jeunesse, Yves Bunkulu. Suivez Michael Bilonda au détail. En République démocratique du Congo, depuis plusieurs mois, certains jeunes quinois perdent la conscience et la force physique de se tenir debout suite à la drogue Bombé fabriquée à base d'une poudre blanche retirée des collecteurs des tuyaux d'échappement. Des véhicules mélangés avec la cyproheptadine vendue dans les officines pharmaceutiques de la place et deviennent une véritable drogue et va mouquer au Nord Kivu. Un phénomène qui préoccupe tant le patron de la jeunesse Yves Bunkulu et le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani, qui ont eu une profonde conversation ce mardi 17 août 2021, dans l'objectif de constituer un dossier solide à présenter au Conseil des ministres pour une suite favorable. Yves Bunkulu en parle. Il était question pour moi de voir son excellence, mais aussi le ministre de la Santé, ainsi que madame le vice-ministre, pour échanger sur la question qui nous préoccupe, nous, au niveau de la jeunesse. C'est la consommation d'un certain type de stupéfiant ces derniers temps, appelé Bombé, au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a également la consommation depuis un certain moment de ce qu'on appelle Mouvoke, qui est une plante qu'on consomme par inhalation. Et avec son excellence, monsieur le ministre de la Santé, nous avons étudié les possibilités de pouvoir mener des recherches pour savoir d'abord la constitution de ces différentes drogues, mais aussi de mettre en place une commission qui devra travailler pour qu'ensemble nous puissions sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue qui se trouve au niveau du ministère de la Santé. Et son Excellence a décidé qu'ensemble nous puissions mettre en place une commission qui va étudier en profondeur la question. Et nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et les mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Restons toujours à la santé, cette fois-ci avec la COVID-19. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe qui a tenu un point de presse au cours duquel il a évoqué trois points, à savoir l'arrivée de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, la baisse des cas de COVID-19 à Kinshasa et dans la province du Congo central. Ce dernier s'est déroulé à INRB, témoin de l'événement, Karine Ivili. Au cours de son point de presse de ce mercredi 18 août 2021, les docteurs Mouyembe ainsi que la commission de la communication des risques et des engagements communautaires grecs en sigle, trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'arrivée de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, la baisse des cas de COVID-19 à Kinshasa ainsi que l'allègement de mesures barrières par les gouvernements congolais. À ce sujet, les coordonnateurs de la riposte, docteur Jean-Jacques Mouyembe, fixent l'opinion. La situation que nous avons connue avec l'annonce des ouvertures des bars, et on dirait que c'était la fête de la fin d'année. Mais le vendredi 13 août, nous avons donc assisté à l'arrivée du vaccin AstraZeneca. En tout, c'est 51 000 840 doses qui sont arrivées que la semaine passée, c'est-à-dire le nombre de cas diminue de façon constante au niveau
la ville-province de Kinshasa. Mais par contre, il y a une augmentation des cas dans certaines provinces. Nous insistons beaucoup pour que la population continue à garder, donc à observer les gestes barrières, parce qu'il n'est pas impossible que nous ayons une quatrième vague. En outre, le coordonnateur général de la riposte s'est dit très déçu au comportement qu'affichaient les Kinois, en particulier lors de l'annonce faite par le gouvernement congolais pour alléger les mesures barrières. Cette décision prise par les autorités du pays ne signifie pas que la maladie n'existe plus. Les ports de masques ainsi que la distanciation sociale, elle est obligatoire. Martel, Dr Mouyembe. Retour en images sur la visite de la délégation du PDG Katende Ntumba Delphin après la mort de l'une des membres des Amis de Yokasson. Ce dimanche, ils avaient effectué une visite de compassion. Regardez. Ce dimanche 15 août 2021, les Amis Yokasson Télévision ont compati avec l'une de leurs qui a perdu la vie au nom de Annie Tumbabo, après une courte maladie dans la commune de Matete, quartier Kisenso. Ému de joie de voir l'assistance, la famille n'a pas manqué les mots devant la presse du PDG Delphin Katende Ntumba. Merci beaucoup au président Delphin. Lokolo tindi biso caméra et ya ko filmer biso na matango tozalaki nango ya combattante na biso ya kufaki. To pesio merci mingi. Kaseza na kai banderi pesu kate parce que biso toza na posa na yo. Dès le moment où on la descente à Onakisensu, biso to pesio confiance yo lingi biso to pesio merci to so pesa maloba na oye mouei a pesio merci mingi bana Cyril Ngomba centre pa tomboli yo longue vie merci beaucoup. Nous vous remercions pour la deuxième fois et pas à président Katende kobusa na biso te toza na posa na yo na Cyril Ngomba centre ngande mobali ya mwasi wa kufaki Ntumbabo ane. En tout cas vraiment na remercier yo beaucoup, merci, merci, vraiment merci. Merci honorable. Na minute to bengo honorable pour ça déjà député national, ça déjà honorable na biso. Na biso merci makasi lokolo kanise libiso. Na kotala biso na matango tinde libiso nini. Scène caméra yokaso en tout cas tout ça na biso bien sengo to se peli makasi. Aya aya posa na biso ezake oya kota la pe biso to mona to vivre to fanda na yo vraiment en tout cas motema na biso ezaka e pa na yo talaka yo moko. Il n'était pas présent physiquement, mais Delphin Katende Ntumba était de tout cœur avec la famille des illustres disparus, comme le dit la Sainte Bible, de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parlons sport. Les nations représentatives à la Coupe des Nations ont connu leurs adversaires ce mardi 17 août 2021 à l'occasion de la cérémonie de tirage au sort organisée au Palais des Congrès à Yaoundé, c'est au Cameroun. Obed Loaba pour les explications. Dévalé en public ce 17 août 2021, le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 est un fait officiel. Milliers de ministres des sports des différents pays, de légendes africaines, de présidents fédéraux des différentes fédérations sportives, de représentants de la FIFA, tous solennellement préparent au palais des congrès de Yaoundé. Le calendrier est sous les yeux des équipes en course. Il s'agit des groupes A, Cameroun, Burkina Faso, Éthiopie, Cap-Vert, groupe B, Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi, groupe C, Maroc, Ghana, Comores, Gabon, groupe D, Nigeria, Égypte, Soudan, Guinée-Bissau. Groupe E, Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Groupe F, Tunisie, Malawi, Mauritanie, Gambie. Notons que c'est encore peu de mois, les hauts talents africains seront définis dans des différentes pelouses ciblées par la CAF. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à présent, c'est l'heure de la revue de presse, juste après ceci pour recevoir Onur Ilunga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Voilà, il est avec nous sur ce plateau. Alors, Onur Ilunga, bienvenue. Merci, Mike. Alors, encore 48 heures aux leaders religieux, écrit l'avenir.
Exactement. L'objectif de cette démarche rapporte l'avenir et de permettre un atterrissage en douceur après les différentes tractations constatées entre les leaders religieux. À noter, ce délai court de mardi 17 au jeudi 19 août 2021 a déclaré le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Toujours sur le même chapitre, Africa News, quant à lui, pense que Christophe Mbosso a cédé au veto des catholiques. Tout à fait, Mike Mutuba, à en croire certaines sources du journal, la CENCO et l'Église du Christ au Congo profitent de ces prolongations pour approcher au moins deux des six chefs religieux pour qu'ils changent leur choix en se rangeant du côté des catholiques et des protestants. Merci Onuri Lunga. Et la pollution de la rivière Kasaï, le gouvernement s'implique à fond selon Forum des As. C'est ce qui note la pollution de la rivière Kasaï dans la province qui porte le même nom, préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo, Mike Mutuba. Le mardi 17 août 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion avec le ministre sectoriel. C'est le sujet phare que la presse développe. Au terme de la rencontre, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, a annoncé la descente sur terrain d'une mission de haut niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, renseigne Forum des As. Et pour terminer, le feuilleton entre Tony Mwaba Kazadi et Jules Alinguette est loin d'être terminé, d'après congomedia.net. Ça continue toujours. En effet, explique les confrères, une correspondance du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique adressée au ministre des Finances Nicolas Kazadi atteste que ce dernier a bel et bien demandé à son homologue dès hier soir le paiement de la somme de 2 millions de dollars américains à la firme Feridose pour plusieurs raisons, note MediaCongo.net. Merci beaucoup, Onur Ilunga. Merci, Mike Mutuba. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est par ici que nous nous séparons. Le prochain rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir. Merci.